En tout, je me présente, je m'appelle Blackfire et là on va frapper très 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 fort, c'est le cas de le dire, parce qu'on va parler de Street Fighter qui sort en 2026 et j'ai des infos, ça va faire très très mal. Les deux personnages importants, mais en même temps c'est assez logique, qui seront les protagonistes de cette histoire seront bien évidemment Ryu et Ken. En même temps, je sais pas moi, c'est Street Fighter donc c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu stupide, mais ça fait partie de l'info. C'est le film, voilà, se concentrera. Après, c'est vrai que le premier Street, je comprends pourquoi on dit ça en fait, parce que c'est vrai que le premier Street Fighter se concentre au cinéma, pardon, se concentre sur comment il s'appelle, Guile, qui est interprété par Jean-Claude Van Damme, alors que là, c'est vraiment concentré sur Ryu et Ken, et le méchant de l'histoire sera Akuma. Akuma, comment dire ça, bah, c'est un des plus grands ennemis un des plus grands méchants de Street Fighter, avec Bison et avec JP, avec plein d'autres. Donc là, ça commence à me hyper un petit peu, puisque moi, je vous ai dit, je suis un grand fan de Street Fighter, donc j'ai vraiment hâte de voir ça et ça fait partie de la nouvelle de la journée. Mais attendez, j'ai pas terminé, hein. Je termine là avec Street Fighter. La nouvelle qui va arriver après, elle va vous mettre par terre parce que c'est du très 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 lourd, les enfants. Je me suis un peu perdu dans le projet qui arrive après parce que j'avais entendu des choses, mais après j'ai plus de nouvelles. Et là, ça s'est rafraîchi, donc je suis le premier surpris. En tout cas, Street Fighter 2026, personnages principaux Ryu et Ken, et le méchant sera Akuma. Donc n'oubliez pas de commenter. Like la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.